Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode encore du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Le petit Ludo, non, c'est pas Ludo, c'est Ludwig, Ludwig, et elle est faite autour le petit Ludwig. Ah. Oh, Lisa. Attendez, Lisa, c'était la fille de Adélaïde. Oui, d'accord. Ouais, ah bah tiens, hein, on va aller voir un peu l'arbre généalogique. Génial et logique. Nya. Nya. Lorelai. Oh putain de merde. Ah bah oui, non. Là, Adélaïde, la fille donc de Lorelai. Et ben, il y a Fauve qui est morte. Frédéric qui est mort. Elisa. Donc du coup, la branche Lorelai est éteinte. À tout jamais, c'était la seule qui avait eu des enfants avec Cybèle. Et voyez un peu, ah, ils sont devenus grands. Et eux aussi, oh là là, on va aller voir ça, on va les inviter, on va aller les voir, je sais pas trop. On va faire ça. Donc voilà où on est l'arbre généalogique en partant de Lorelai. Il y a quand même pas mal de morpions. Hein. Ça, bien sûr, c'est Heidi, Garance, Igor. Harold qui a trois enfants et Frida qui en a deux. Bon, bien sûr, ces pauvres enfants vont mourir seuls et vieux, n'ayant jamais connu l'amour. Mais c'est la dure loi des séries, c'est comme ça. Et puis c'est vous qui avez voté, hein, donc vous avez voté pour Heidi. Donc maintenant, toute cette branche-là va être triste à mourir jusqu'à la fin des... Oh, oh. Voilà, alors. Oh, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'es... Hey. Mais qu'est-ce que tu fais? Contempler. Mais pourquoi tu te lèves, espèce d'idiot? Va dormir. Mais qu'il est bête. Ah, t'as fait un petit crac-crac, ah oui. Mais il y a un chat? Ah oui, il y avait un minou, là. Oh, petit minou. Ah bah, il est parti. Ah non, il est là. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Et la petite famille dort. Et c'est tant mieux. Parce qu'après ça va être... On est dimanche, donc effectivement j'avais dit qu'on irait, on inviterait les ados pour voir la bouille des descendants de nos autres prétendants à l'héritier. Enfin, bref, je te donne merde. Bref, ceux qui sont pas Heidi, ceux qui n'ont pas été élus. Coco, tu peux aller pissouiller. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'en fais du bruit quand tu descends? Qu'est-ce que tu vas faire? Jouer sous la pluie. Ah! Ah oui, c'est vrai, on est en été. Premier jour de l'été. Faible pluie, frais et pluie. D'accord, on a compris. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais mis ça! C'est trop cool. Ah, tu t'as. Voilà. Discuter, Lidvin. Ah bah, tous les enfants, ils sont levés. À 6h30 du matin, tout va bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est que. Autant Joris, il a les pommettes de sa mère, mais autant les filles, elles l'ont pas. Hein. Bon, arrête avec cette porte, Joris, tu me stresses. Voilà, les petits enfants. Oh, c'est cool. Allez, elle s'éclate. Oh, finesse, cette porte, c'est pas possible. Anniversaire de Ludwig dans 2 jours. Puis, ah, on arrive déjà. Non, mais non, on va pas arriver déjà aux anniversaires. Non mais... Attendez. Ah, ça va pas plus loin que ça parce que lui, il va devenir enfant mardi. C'est-à-dire que là, en très peu de temps, on va voir et Joris et les filles en ado. Donc on vous pourrait déjà faire un premier choix et on attendra que Ludwig devienne ado. Et ce sera déjà les votes pour la... Mais déjà ? Mais moi, je vois pas le temps passer, là. Ah, la durée de vie, oui, c'est... Ouais, je m'habitue vraiment pas à ce soit aussi rapide. Oh, c'est dingue. Oh, mon petit Joris. Oui, mais toi, je t'aime parce que t'es... Ouais, t'es seule à avoir les yeux violets, donc je t'aime. Les autres, ils ont les yeux du démon. Mais il s'éclate, hein, sous la pluie, hein. Attendez, il y en a une qui... Non, c'est Lidvine, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, Lidvine, elle joue à la poupée. Papa, il va faire son petit pissou, qu'il a déjà commencé. Ah non, c'était un caca, pardon.
Maman, 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 c'est bien, tu peux prendre une petite douche rapide et tu vas préparer le petit déjeuner. Des œufs brouillés au bacon. C'est gras, mais c'est bon. Oh, la vache! J'aimerais tellement avoir cette putain de glace régime. Parce que là, elle en a tellement bouffé. Ah oui, bah là. Oui, elle a perdu sa cousine. C'était sa cousine. Oui, c'est sa cousine, c'est ça. Lui prend un bain. Les gosses, qu'est-ce qu'ils font? Non, 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 pas de jus d'orange, Joris, non. En plus, t'es trempé. Tu vas te prendre une petite douche rapide, là. Allez. Voilà. Et les deux. Oh, c'est trop mignon. Les filles, elles jouent à la poupée. Donc, c'est parfait. Oh, quand je reviens pas, quoi, elles vont déjà. Enfin, ils vont déjà devenir grands ados. Il n'y a que Ludwig, du coup, qui est vraiment en retrait. Je ne sais pas quand est-ce qu'il grandit, est-ce qu'ils ne le disent pas encore. Mais à mon avis, ça doit pas être dans très très longtemps. Hein. Lui. Ah ouais. Non, c'est lui qui fête son anniversaire en premier pour devenir enfant. J'aurai quatre enfants en même temps pendant une journée. Après, ouais, c'est ça. Bon, là, il y a de la canicule de prévu. Hein. Et après, on passe déjà à l'automne. Eh ouais. Ah ben c'est rapide avec le ugly et la mode de vie rapide. Mais j'aime bien en fait parce que quand on travaille comme ça sur... Enfin on travaille, quand on joue sur beaucoup de... Ah, je vais y arriver. De générations. Voilà, ça va, c'est cinq générations. C'est intéressant d'aller vite comme ça. Surtout que là c'est basé sur le physique. Regardez-moi, Heidi! Oh, ce corps de rêve! Même quand elle est devenue ado, elle n'était pas aussi mince. My God! Toi, Lidvine, avant que tu fasses des conneries. Non, tu vas demander conseil. Très bien, tu sais quoi? Je vais ouvrir ton onglet, comme ça je saurai. Fornovosh. Yeps. Alors, cadeau raté. Ce cadeau est pour toi. Influence les manières, influence l'empathie. T'as pas beaucoup d'empathie, hein. Voilà, on va remonter l'empathie. Ah bah, t'as pas beaucoup d'empathie. Oh, elle va mettre la table, mais c'est choupinouché. Elle est bien, cette gosse. Je sais pas pourquoi c'est ça. Tiens, on va mettre ça là. Voilà. Elle fait la... Oh, je suis bien. Toi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Garance, on meurt de faim. Non, ben nous, on va manger chez nous. Mais... On va venir vous voir. En espérant que les ados soient là. Au pire, on les fait venir. Hein. Gabriel, il va manger sa glace au chocolat. Non, ta femme va faire le déj. Avec le cornet qui attend dans le frigo. C'est logique. J'ai dit non, Gabriel. J'ai dit non. J'ai dit non, Gabriel. J'ai dit non. Quoi? Mais elle a pas fait un plat pour tout le monde? Oh la biatch! Oh la biatch! Mais quoi? Tu parles d'une mère de famille! Allez hop, touk touk touk! Tout le monde mange, elle va se servir dans le frigo. Voilà, moi, je m'en fiche maintenant. Alors. Toi, tu t'habilles, Lidvine, pour aller manger dans le frigo. Une glace au chocolat? Bah oui, bien sûr! Ah, par contre, elle a le menton un peu en avant, mais elle aurait fait sa tête mignonne quand même. Mais lui, il lui a piqué sa glace! Non mais... Gabriel, te laisse pas faire par tes enfants quand même! Mais... Il lui a repris sa glace! What the fuck? Ils se volent tous les glaces entre eux. Mais vous allez pas manger, vous? Mange! Voilà, il y a de la glace au chocolat. Mangez tous la glace au chocolat. Oh, Nib. Allez, zou, toi aussi. Comme ça, personne n'empiète sur personne. Tu vas complimenter. Complimenter, comme ça, les manières vont augmenter. Joris, viens manger, Joris. Du gâteau, de la glace au chocolat. Ça, c'est vachement équilibré. Chez le Gly, on est comme ça. Tu vas complimenter tes sœurs. Joris! Allô? Bon, super. Est-ce que tu peux lui apprendre des trucs? Apprendre la responsabilité. Ouais, c'est bien. Apprendre la responsabilité. Parce que elle, elle a que ça, c'est ça? Responsable. Oui, j'ai pas réussi à faire upper plus que ça à petite Heidi, donc. Papa, lui, il a rien parce que. Réalisé sans envie de signer. Joris, je t'ai demandé de manger. Mais mange, espèce d'idiot! Il va me rendre la glace régime. Oh, ils sont à fond avec les glaces là en ce moment.
Oh, la petite famille, c'est mignon. Nero. Il n'y a que Ludwig qui on va le réveiller un petit peu quand même. Rapport des droits d'auteur, 231. C'est pas fameux, fameux. Mais on n'est pas non plus dans trop la merde, donc ça va. Tiens, tu vas manger ça, petit Ludwig. Wesh! Wesh, Heidi! Bien, bien! Ouais! Tu te démènes, tu te déhanches. Qu'est-ce que c'est ça? Une graine de fleurs, des légumes. Punaise, tous les trucs que t'as, mais tu vas tout déposer, quoi. T'es plus une enfant, hein. Tous les jouets que t'as, c'est pas possible! Donne-les à tes gosses, donne-les à des enfants pauvres, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Tiens, une tombe! C'est la tombe de maman. Voilà, il y a des lamas, elle a tellement de bordel dans son inventaire, hein, là, c'est pas possible. Non mais. C'est ça que je vais faire. Voilà, comme ça les gosses ils auront de quoi faire. Hein. Mon petit Joris, c'est quand même pas possible. Je t'ai demandé de manger. Tu veux manger ta glace régime? Non, 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 tu la jettes pas. Tu manges. Allez, comme ça tu vas maigrir aussi. Ah, punaise, je vous jure. Hein. Tu vas complimenter. Tu vas parler de l'école. Le petit il mange. C'est très bien. Heidi, tu sais ce que tu fais? Tu vas nettoyer ici. Fais ta femme de ménage. Enfin, ta femme de ménage. Hein? Oh. Et puis après, on va aller. Il est 11h, ça va. On va aller se retrouver. On va aller chez Garance, peut-être. Garance. Et puis après, on ira chez. Non, on va aller chez Frida, puisque c'est la première née et la première à avoir eu des enfants. On va aller voir ces petits garçons qui sont devenus grands. Et voilà, on a toute la Smala qui est à la maison de Frida. Oh, et regardez, c'est les garçons. Samuel et Eric. Eh ben franchement, on pourrait pas croire qu'ils avaient des ancêtres pas très beaux. Oh, qu'est-ce qui se passe, Heidi? Comment tu le regardes? Oh, comment elle le regarde? Qu'est-ce qu'elle est mauvaise? Bon, comme ça, vous voyez. L'un des deux, il ressemble plutôt pas mal à son père. Il a un peu les pommettes et le menton de sa maman. Le profil, oups, il est camasse. Et l'autre, bah, c'est un jumeau, donc je pense qu'on n'est pas très très les éloignés. Il est peut-être encore plus, ouais, parce que là, il sourit. Oui, enfin. Oh là, il n'a pas l'air commode. Donc, lui, c'est Eric et lui, c'est Samuel. Il me semble que je préférais Samuel quand ils étaient tout bambins. Mais bon, ça, c'était vraiment. Voilà avec quoi on aurait pu continuer le challenge avec ces deux garçons magnifiques au demeurant. Très, très beaux. Joris, tu ne connais pas tes cousins. Tu vas donc te présenter. Ah, tu connais Eric. Ah, peut-être qu'il était venu à ton anniversaire, effectivement. Tu vas te présenter aussi et présenter toi. Présenter aussi et présenter aussi. Déjà, on va faire ça. Oh! Ludwig, tu fais dans ta machin. Il est sale, il fait dans sa couche. Ils sont beaux! Ah, je suis contente, ils sont beaux ces garçons. Oh, c'est trop mignon. Ils ont vraiment la même coupe de cheveux, quoi. C'est pas des jumeaux pour rien. Hein. Là, franchement, c'est rigolo. J'adore leur teint hâlé avec des yeux comme ça. En fait, c'est vraiment les yeux ugly, j'ai l'impression, parce qu'on revient avec Lorelai qui avait aussi le teint comme ça, les cheveux comme ça et les yeux bleu vert magnifiques. Ouais, il y en a un qui est quand même un peu plus. Ouais, c'est ça. Eric, il a plus de pommettes et de menton que Samuel. J'ai l'impression, hein. Dites-moi en commentaire si vous trouvez lequel des deux est mieux.
Mais voilà. Quand même, je trouve que lui est plus mignon, je sais pas. Après, c'est kiff-kiff, hein, voilà. Ah, ils sont en train de jouer! Ah, oh, c'est trop mignon! Attends, tu vas parler avec ton beau-frère? Se moquer de... Non, non, non. Je pensais que c'était partager les goûts musicaux, mais... Discuter de son groupe préféré. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es... Trop de corvée, nettoie. Oh, mais tu te fous de ma gueule, meuf! Partager des photos... Et illuminer la journée. Ah non, mais elle, elle se balade en culotte. Le jeu, il va super fort dans mes oreilles. J'espère que vous m'entendez. C'est trop mignon! Ouais, les jeunes adultes. Et Frida n'est pas là, il me semble. Hein, ce quand j'ai cliqué pour aller. Hé, hey, les enfants! Ah ouais, nager ici ensemble. Allez, on profite de la pistouche. La pistouche de malade, quoi. On va tous venir se baigner. Alors, je sais pas ce qu'il a, mon jeu, mais il va très très vite quand je zoome et tout. C'est bien, hein, en même temps, mais... Oula. Allez, on va tous à la piscine. Pourquoi les arbres, ils disparaissent? C'est bizarre, je suis pas si près que ça. Oh, regardez, t'as tout le monde qui se pointe. Ah non, parce que pour une fois que je leur ai mis des tenues de maillot de bain. Et le petit! Le petit vient! Ah ah, c'est trop mignon! Oh! Et on va tous se mettre en maillot et profiter de la piscine. Oui! On en profite, hein, il y a des gens riches. Hop là! Deux dans l'eau. Tu viens ici, Ludwig? Baby pour soi-même. Viens là, mon petit. Ah ouais, j'avais mis Lidvine avec un chapeau. C'est trop mignon. Éclabousser ton pan. Hop. On peut pas éclabousser. Ah bah, elle est repartie. Qu'est-ce que tu fais? Fouiller, mais non, mais ça va pas, non. Mais viens là. Pourquoi je peux pas cliquer sur la piscine? Faire des longueurs, viens faire des longueurs. Ah! Carla! Qu'est-ce qu'ils ont avec la poubelle? Ils veulent tous se rouiller la poubelle, je crois. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça m'énerve quand ils font ça avec la peinture? C'est pas possible. Joris, non non plus. Alors là, Joris, non. Tu viens faire des longueurs aussi. Ou pas, parce que le jeu veut pas que je clique. Voilà, viens faire des longueurs. T'as faim? Oui, bah tu mangeras quand on rentrera. Et le petit, il est toujours pas arrivé. C'est trop mignon. Tu vas un peu parler avec ton amoureux. Tu vas l'éclabousser. Tu vas me nettoyer ça, hein, Carla? Ah, j'ai eu peur, mais ça va, il va faire des bulles, lui. Trop chaud. Je t'avais demandé de faire des longueurs, hein, Coco. En fait, on peut pas être plusieurs à faire des longueurs, c'est ça? Ah si, bah si, ils font tous des longueurs, là. Litvin, t'es où? Ah non, Lidvine, elle est déjà dans l'eau. Bah, elle est où? Ah oui, parce qu'elle était planquée par l'arbre, on est d'accord. Et les amoureux? Pouvez-vous... Bah tiens, évacue le stress. Il marquait quoi? Vous pouvez faire crac-crac dans... Dans le buisson. Ah, il doit y avoir un buisson pas loin. Tu vas envoyer un baiser. Mec, l'a poussé. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il s'est pris un coup? Croissance impressionnante, toujours avec un bambin. Wow, ce bambi grandit tellement, je serais bien sûr de bagarrer avec lui. Lol. Tiens, Carla, viens faire des longueurs aussi. Allez, tout le monde vient faire des longueurs. J'en peux plus. Ça, c'est maman qui va gueuler sur Ludwig. Allez. Qu'est-ce qu'ils sont chiants avec ça? Éducation, discipline, comment sévère. Hurler dessus. Allez. Allez, ouais, tout le monde dans l'eau! Youhou! Ouais, dépêche-toi, elle dit, hein, parce que là, pas que ça foute non plus. Tu discutes pas avec Gabriel, tu vas engueuler ton fils. Alors, les enfants?
Je préfère que vous fassiez des longueurs que vous fassiez les cons, hein. Ah, ça y est. Bah, c'est elle qui va nettoyer. Trop drôle. Donnez à manger à partir de l'inventaire. Des myrtilles. Bah, il a faim? Non, il est juste sale. Tu peux pas aller dans l'eau, toi, hein? C'est trop chaud. Passer un savon, apprendre à parler. Bon. En tout cas, la plastique de Heidi en mode j'ai vachement maigri. Et... Ah mince, il faut aller aux toilettes, mais ils ont pas de toilettes, ils ont rien dans cette maison, regardez. Elle est très belle, mais il n'y a rien. Bon, allez, on va bouger. Maintenant qu'on a vu les enfants de Frida, on va bouger. Arrêtez avec cette poubelle! Non, mais c'est. Ça va pas bien? Putain, mais quelle musculature! Il a maigri de ouf, lui. Je veux que cette glace existe dans la vraie vie. Je veux, les gens, je veux. Oh, c'est beau. Et vous savez quoi? La prochaine génération, on la fera déménager à Windenburg, sur l'île, par exemple, dans cette maison-là, ou cette maison-là, où on la fera, où je ferai la maison. Mais ouais, on déménage. Hein. On va aller là, c'est trop beau, quoi. C'est beaucoup trop beau. Allez, tant que c'est ton téléphone, on va bouger. Attendez, tac, tac, tac. Ah oui, parce qu'ils sont beaucoup moins que d'habitude, forcément. Et on va aller chez Garance. Et nous voici. Oh! Wouah! Je suis. J'avais complètement oublié que j'avais mis ça en tenue d'été pour Heidi. C'est du coup une tenue du pack saison. Et ben franchement, avec la coupe de cheveux et tout, ça lui va trop bien. Ouais, ils ont tous faim, ils doivent tous aller aux toilettes. Allez, va sonner à la porte. Normalement, ils sont tous là à l'intérieur. C'est quoi? Pourquoi il n'y a pas de vraies fenêtres dans cette maison? Oh! Ils sont en train de faire des barbecues, ça c'est la fille. Ok, alors tu vas aller tout de suite aux toilettes, Heidi. Toi, tu vas faire la conversation à Garance. Tu la connais pas, Garance? C'est une blague! Ah, mais... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il est gros, Marc. Oh, la look! Oh my god! Ah, mais non! Ah, ram, pam, 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 pam. Oh! Non, je crois qu'il y avait déjà. Qu'il y avait déjà un. Oh là là! Tu connais. Va te présenter. Allez vous présenter à vos cousins-cousines. Comme ça, ce sera fait. Dès qu'Heidi, elle finit de pisser. Jajouk. Et. Toi, tu dois pisser ta mère. Et hop. Pipi. Donc, Joris, ça va. Joris, ça va, tu peux prendre. Tu peux manger. Enfin, y a à manger, hein, donc ça va. N'inquiétez pas, je vais faire le gros plan après pour voir les enfants. Tu vas en assez tendrement ta sista. Illuminer sa journée. Mais va pisser, cocotte! Je t'ai dit en plus, hein. Ludwig! Mais c'est pas possible, c'est gosse! Non, 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 non. En fait, à chaque fois que je m'occupe des gamins, c'est pour les engueuler, quoi. T'as faim, Oh là là. Arrête de discuter, gueule sur ton gosse. Eh mais non! Bon, tant pis, on va... Quoi? Éducation. Ah mince, il l'a fait, du coup? Bah non. Arrête! Saloperie! Putain, mais sérieux! Est-ce que c'est maman qui peut le faire? Ben non, je peux pas l'engueuler. Nettoie. Elle est partie aux toilettes. Soit tu peux venir ici. Et va aux toilettes aussi. Allez. Dépêche-toi, va aux toilettes, Litvin, au lieu de te faire dessus. Toi, t'as faim, mais tu vas prendre une portion ici. Là, ils ont fait à bouffer, donc autant en profiter. Hop, prends une portion. Tout le monde va manger. Toi, tu manges. Bref, tout va bien. Ça y est, je les remets un peu en forme. Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle va prendre une portion en étant dehors. C'est logique. Alors,
Oh, elle fait un câlin à son fils. Il a mis une tenue de super-héros, c'est trop mignon. Tout à l'heure, il y avait... Apprendre les besoins de base, je sais pas quoi. Ah, c'était dans l'éducation. Qui peut ce que je fais? Tu peux changer la couche, par contre, oui. Changer la couche, change la couche, ce qui pue. Alors, les enfants, nous avons Marc. Marc, il est un peu grassouillet, il a un look de caca, on va pas se le cacher. Voilà. Ben, ça va, hein? Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il a pas les traits hyper. Il a pas hérité de la tronche de Garance qui faisait peur, en fait. Il a plus pris de son autre mère. Regardez. Oui, il est un peu grassouillet, hein, une bonne glace régie, mais c'est fini, hein. Mais il est beau, quoi. Il est quand même très beau. Il a une très belle couleur d'yeux. Bon, les sourcils, ça va pas, hein, mais non, non, il est très beau. Et on va aller voir Hélène. Bon, Hélène, elle ressemble plus à Garance, hein. Là, par contre. Ouh, pardon. Oh, ça, ah, c'est horrible! Ah! C'est pire qu'un film d'horreur. Ah, plus à Garance parce qu'elle a vraiment les pommettes et le menton. Mais c'est pas mal quand même, hein. Oui, sa mère, comment elle la regarde. Oui, ma fille. Tu ressembles trop à ton autre mère, pas à moi. Et de profil, on est bien. Oh, mais arrête de bouger, cocotte. Non, profil, elle a un joli profil. C'est peut-être le face que j'aime pas trop. Oh merde, il a bouffé de la viande. J'ai entendu un et il me semble qu'il y a un gosse qui fait le con avec la peinture. Non. Ah non, c'est lui qui a pété! Pardon. Bon, tout va bien. Alors, tant qu'ils font pas de conneries avec la peinture. Va manger dans la gamelle. Qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, on aura vu les ados. Ah non, mais Ludwig, je t'ai entendu larguer une caisse, là, encore. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Alors, je sais pas comment ils font pour dormir à trois. Elle est triste. Devant des conseils. Voilà, un esprit d'Enguerrand est en train de disparaître. Mais Enguerrand, ça remonte à... Ah ouais, ça remonte à loin. Est-ce que tu peux consoler ta femme? Exprimer son affection. Ah oui, parce qu'elle s'assoit. Mais non, Heidi, c'est pas grave. Ta cousine, oui, elle est venue à ton mariage, mais vous étiez pas si proches finalement. Donc, faut pas voir les choses aussi sombres que ça. Ah non, mais Ludwig, arrête de larguer des caisses. Ah non! C'est Gabriel qui a largué une caisse. Oh non. Oh là, le bide! Ah, Marc, tu vas venir manger. Ah tiens, on va te présenter quand même. Marc, tu vas venir manger à la maison, hein, on va te. C'est plein de problèmes. Tu vas venir manger de la glace de régime. On va un peu discuter quand même. Non, bah, pas les nuages. Illuminer la journée. Et parler de cuisine. Oh, mais arrêtez de péter! Sérieux? Attendez, c'était un truc aux saucisses. Haricots aux saucisses. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'ils pètent tous en fait. Oh mon dieu, ça va être festival de. Festival de paix. C'est pas possible. C'est marrant en fait, ils s'adaptent bien les gosses quoi. On passe chez les gens et ils sont cool. Tiens, Lidvine, tu peux discuter avec Hélène? Discuter des centres d'intérêt. Parler de ton animal préféré. Amical. Faire connaissance. Ceux-là, on les connaît, mais vraiment très très peu, quoi. Mais non, mais quand même, c'est cool la vie. Ils sont bien. Allez, active. Il est où? Bah, il est là, Eric. Marc.
tu ne sais plus faire connaissance. On va un petit peut-être apprendre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Aller voir le bambin, non? Le petit, il est fatigué, il doit aller au pipi. Il n'y a pas de pot ici, il n'y a pas de baignoire non plus. Oh, je vais aller voir Tata. Parler à l'inconnu. Tac. Il est maladroit, Marc. Il a flatté. Moi, je pense que le plus réussi, finalement, c'est Marc. Vraiment, juste un petit relooking et un petit régime et il sera bien, quoi. Ça donne espoir pour les filles, enfin pour les enfants de Heidi et Gabriel, parce que ils sont plutôt bien réussis, quoi, à cette génération ici. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, ça y est, on est rentré. Oh là là, et oui, alors bah, toi tu vas aller pisser. Du coup, je vais aller tout de suite aller aux toilettes et prendre une petite douche. Comme ça sera fait. Toi, t'as faim, t'as besoin de tout ton faim. Tu vas préparer le dîner. Hein, servir le dîner. Spaghetti, c'est ok pour les végétariens. On y go. C'est les haricots saucisses, ça va pas le faire. Qu'est-ce que t'as, toi, t'es blasé? Film ennuyeux. Bon, ma cocotte. Est-ce que vous avez fait vos devoirs, les gosses? On est dimanche. Ouais. Ouais. Ok, bon, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Vous rentrez. Voilà, vous rentrez, vous faites votre vie pendant que maman elle s'occupe. Et petit prout là, petit prout, il va aller sur le pot en attendant. Et puis dès que papa aura pissé et pris sa douche, il fera faire un bain à son fils. Ah, l'ambiance est beaucoup plus calme maintenant. Il pleut, il fait chaud. En même temps, je m'attendais pas à ce qu'elle mette sa tenue. J'avais même oublié que j'avais mis cette tenue. À la belle Heidi. Comment il marche, ça me fera toujours rire, ce genre de truc. Un petit bambin qui pue et est tellement fatigué qu'il est tombé par terre, se trouve sur le pas de notre porte. Il n'a même pas eu la force de rentrer chez lui. C'est une honte. Oui, va bou... Mais... Mais non, parce que t'as pas faim. Va prendre ta douche. Oh, petit chou. Petit chou, putain, il est planqué le truc. Va sur le pot. Va sur le pot. Déjà, le temps que tu y arrives, on sera à la cinglingling. Non, ça va, il se débrouille. Punaise, il commence à être tout dans le rouge, par contre, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Maman, elle fait toujours à bouffer. Pense à un membre de sa famille. C'est qui? On le connaît pas, celui-là. Bon spaghetti. Merde. Je viens de me rendre compte que tous les gamins sont partis se coucher en fait sans que je leur demande, donc c'est parfait. Et dans leur lit respectif? Non! Oui! C'est pas vrai! C'est pas vrai, ils ont réparé le bug. Oh my fucking god, it's so good! Ok, alors est-ce que tu as fait ton caca pipi? Non, pas encore. Oh, ils chantent, c'est trop chou. Bon, dépêche-toi de chier pisser là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dormir? Bah non, il faut que tu te. Ouais, t'es fatigué quand même. Parce que papa, il va te faire donner un bain. Papa, il range. Maman, elle a mangé. Parce qu'elle a tout le temps faim, celle-là. Tiens, tu vas aller prendre une douche aussi, cocotte. Ça sera pas mal. Bon, t'as fini de. Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il est lent, ce gosse? Il va retomber dans les pommes. Non, il va piquer une crise. Mais chie au lieu de nous emmerder là. C'est le cas de le dire. Bah emmerde-nous alors. Mais bref, j'ai rien dit. Voilà. Il va aller vite aller mieux, mais par contre j'ai peur qu'il se. Donc on va lui faire faire une sieste ici. Et après, il mangera ça. Et après, il ira. Oh, dodo, le petit Ludwig. Toi, tu vas être couché aussi après Gabriel. Pas trop. Et toi, bah, va aussi au lit, hein, c'est pas grave. Tout va bien. Bon, alors j'ai Ludwig qui dormouille. Sa petite sieste, histoire de récupérer juste assez d'énergie pour pouvoir manger. Et j'ai Gabriel qui est buggé.
Ah, ok. Mais ça t'a réveillé toi? Bon, c'est pas grave. Tu. Oui, bah, t'as. Oui, bah, alors j'ai débugué. En fait, il était bugué avec son fils, je crois. Tu vas manger. Et après, c'est dodo. Bah, Gabriel, tu peux. Hop! Au lit. Bonjour. Bah, oui, mais ça fait une heure que je te demande d'aller au lit, t'y vas pas. Viens pas te plaindre. Mais alors, non. J'ai dit au lit. Au lit, c'est pas t'occuper de ton gosse. Au lit, c'est dodo. Dans ton lit avec ta femme, dans ton lit. Ton lit avec ta femme, dans ton lit. C'est logique. Voilà. Ouh, c'est compliqué la life. Pourquoi tu vas à 3 km de là, mon petit Ludwig? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Bon, tu te dépêches, s'il te plaît. Histoire de. Voilà. Oui? Ah ah? Ouh. Non, parce que là, je m'en accélérais, mais si tu manges pas, ça va être compliqué. Si, c'est bon. Les sacrées poignées de bouffe. Les pâtes à la bolognaise. Les spaghettis bolognaises, pardon, à même les mains. Vous avez déjà essayé, vous? Moi, pas. Hein. En même temps, avec les machins longs qui traînent avec la sauce tomate, on s'en foutrait partout. C'est bon? Allez. Pêche-toi. J'ai le mur de notification plein. L'esprit de arc-en-ciel. C'est un petit minou, ça? Allez, arrête de faire le con, il va te coucher, Ludwig. Allez, dépêche. Allez, il est énergisé. Va te coucher! Mais c'est pas possible! Si, c'est bon. L'esprit de Lisa, déjà? Ah non, ça c'est Lisa, c'est la sœur. Non. Ben non, je sais pas. Qui s'y fait? Mais oui, mais tu mets 3 heures à t'être couché! Qu'est-ce que tu m'en fais crier, toi? Oh, petit Kang! Allez, hop, vas-y! Non mais, voyez, ils le font exprès. Tu vas pas t'évanouir, tu viens de te lever! Oh là, c'est pas possible. Voilà. Ah, oh là là, mais je vous dis, c'est compliqué. Par contre, c'est très rigolo de voir en accéléré. Ouais, c'est comme ça que je vais terminer l'épisode. Ce fut bien compliqué, mais quand même. Ah, en attendant, voilà, je me surpose comme ça, il n'y a personne qui se réveille. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, un like, un commentaire et un abonnement. Et je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous pour la suite du Ugly to Beauty, Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!